et bienvenue dans l'enfer de la mine. Oh, faut que je boive. Dans l'enfer de la mine. Donc j'espère qu'on va pas mourir, parce que ce serait un peu bête de mourir connement. Et de mettre fin à notre aventure. Je vais essayer de pas faire de la merde. Oh la vache. Ok, on est à 36, faut qu'on prenne ça. Ramasser. On est à 39, on est à 40. On est à 40, on a notre... on a ça, on a notre lampe. Elle est blindée. Ok. Vous savez ce qu'on doit faire. Vous savez ce qu'on doit faire. On doit descendre en enfer déjà. Ah, c'est parti. C'est parti. Alors je sais plus exactement où est le gaz en fait. Mais je sais plus s'il y a même plusieurs étages ou pas, je vais être franc. On est un peu limité sur le mouvement de la caméra, ça c'est un peu embêtant. Je voudrais bien te regarder autour de moi. On est quoi? Est-ce qu'il fait jour ou pas? Ou nuit? Je crois qu'il fait encore nuit. Mais bon, c'est pas important. Ok, on y est. Ok. Bon, bah bonne chance à moi. Alors, je crois qu'on a une petite zone d'exploration. Toxique gaz danger, ça doit être là. Okay. Je vais voir si on n'est pas trop lourd. Qu'est-ce qu'on fait là déjà? Ah oui, on doit trouver un message qui nous donne un code. Il est où le message? Il est dans le gaz? T'es sérieux? On est à 41, 72, ok ça va. Je vais voir, il commence où le gaz? Je sais plus exactement si on voit. Ah, ok, c'est ça. Ok. Alors, normalement, dans l'histoire, dans le mode histoire, il y a ça là. Alors, j'en avais parlé. De ça. Ça, c'est débile. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est ça. C'est le fait d'avoir laissé ça et. On le voit, on peut interagir avec et il y a écrit ouvert. Donc nettoyer l'embout de la valve à air ouvert, aucune poignée de valve dans l'inventaire. Ça, ils auraient dû complètement l'enlever parce qu'on peut pas trouver de valve. À ma connaissance, en tout cas, il y a zéro valve qui existe. On peut pas en fait fermer le gaz. Mais on peut le faire en mode histoire. Et du coup, en fait, ils ont fait un copier-coller bête. Et voilà. Donc moi, j'ai tourné en rond pendant pas mal de temps, en fait, la toute première fois où je suis venu ici. En voulant chercher donc du coup un outil, mais en fait non, on n'en a pas besoin. Allez, go. Attendez, non, on n'est pas encore. Bah, non, et oui, non, mais ça c'est pas le gaz, c'est de l'oxygène ça. Non, je suis bête. Ça c'est des arrivées d'oxygène pour vous. Oui, des valves à air. En plus ça a aucun sens en fait. Ça, c'est de l'oxygène qui descend, en fait, qui est pompé de l'extérieur et qui descend pour vous permettre de respirer. Il y a écrit « Nettoyer l'embout de valve à air ». Valve à air, ça, il devrait mettre valve à oxygène, plutôt, pour être un peu plus clair. Et c'est ouvert, donc du coup, on n'a pas besoin de le fermer. Voilà, ça me revient maintenant, tout me revient, en fait. Donc ouais, c'est vraiment un problème, la façon dont... Ok, il y a le gaz, là. C'est vraiment mal fait, en fait. Non, vraiment très mal fait, leur système. Et là c'est quoi? Je crois qu'on doit trouver en fait un camp où on va trouver le message d'abord, puis après on va devoir passer par le gaz. Ah, je crois que c'est ça. Je crois que c'est dans ce sac là. Peut-être. Ah, un pantalon combat. Je crois qu'on en utilise un.
je regarde un peu. Donc ouais, c'est des petites choses, mais ils auraient dû vraiment changer. Pour ceux qui font que de la survie et tout, ils auraient dû changer tout ça, en fait. Là, je crois que c'est vers l'ascenseur, du coup. Ou pas. C'est un peu long, par contre. Les tunnels sont très très grands, donc c'est un peu compliqué. Ah non, le sac est là. Il y a le sac à dos. Okay. Il y a strictement rien dedans, c'est bien. Là, je commence à me demander... Hein ? Ouais, c'est ce qu'on utilise. En théorie, on peut même prendre celui-là au lieu de celui-là, mais bon, lui, il a une meilleure résistance au vent et tout ça. Mais ouais, on a un deuxième... Pantalon de combat, honnêtement, c'est une bonne trouvaille. C'est une bonne trouvaille. Parce que du coup, ça nous fait un rechange si jamais on casse le nôtre. Là, j'ai peur. Où est-ce qu'on trouve, du coup, le code? Après, peut-être, tout le gaz? Genre, ce serait la récompense finale? Bah, ça aurait... Ouais, ce serait logique. Parce que là, du coup, si on avait trouvé le code déjà, bah, du coup, on fait demi-tour, quoi. On n'a pas besoin de passer par le gaz. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis un peu déçu qu'il n'y ait strictement rien dans ce sac, là. Surtout que le sac, il était un peu spécial. Je suis sûr qu'il est basé sur l'histoire, ça aussi. Le sac, il doit être copié-collé de l'histoire, du coup, de l'histoire. Bon, bah, ça va être le moment de vérité. Ça va être le moment de vérité. Des buffs. Allez, vas-y, on y va. Ok, go. Pas trop le temps. 36 secondes. Ok, let's go. On a une poche d'air, là. Est-ce qu'on peut aller dans l'eau? Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller en l'eau? Dans l'eau, je sais pas. Ça m'étonnerait, hein. On n'a jamais dû passer dans l'eau ou quoi que ce soit. Et on a très peu de temps, quand même. Je me demande si je l'avais trouvé, cette poche d'air, franchement. Je vais être honnête. S'il faut, je l'avais fait en une fois. Allez, go. Go, monte, 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 monte. Ah, en une fois, non, ça me paraît chaud. Ok, on monte. Normalement, il faut juste faire quelques, genre un mètre. C'est bon. Ah, c'est peut-être là qu'il y a plusieurs. C'est bon, on est bon. Il y a peut-être plusieurs étages. Tu vois? Floor 2. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Honnêtement, ils ont un peu abusé sur la température de ces trucs-là. Ils ont légèrement abusé. Waouh! Waouh! Ça c'est classe ça. Ça c'est super classe. Ah, ça y est, ça doit être là.
ça doit être là. On va faire une réserve de charbon, mais on va devoir en jeter, je pense. C'est pour ça que dans un sens, moi je voudrais que le travois soit un objet à aller à récupérer. Parce que faire l'aventure pour récupérer le sac à dos, genre la première fois que vous allez dans la zone que vous connaissez pas, le canyon des cendres et tout ça, c'est juste magnifique en fait de faire cette aventure. Et là honnêtement c'était pareil, de découvrir Blackrock et tout ça et d'aller chercher le code et tout, c'était vraiment cool. Après le code il est pas totalement utile, hein. C'est juste pour aller faire des bombes et tout ça. Mais... Ah quoi que, je crois que pour faire des bombes, pour pouvoir faire des bombes, vous débloquez ça à Blackrock. Après, je crois que vous pouvez le faire à d'autres endroits où vous pouvez créer des, crafter des munitions en fait. Mais ouais, peut-être que vous pouvez l'apprendre que là en fait. Alors, j'ai trouvé le sac à dos que je cherchais. J'imagine que tu vas bientôt arriver à lire ce mot. Le code de l'atelier est probablement 3445. On se retrouve à la porte et on entrera dès la lumière qui reviendront. Il faut que j'aille vérifier quelque chose en bas. Ouais, je crois qu'on débloque peut-être le craft, en fait. Grâce à Blackrock, potentiellement. Bon, ça va, on a encore du... de la lumière. Je sais pas si ça sert à quelque chose de monter, je crois pas. Oula, oula, non, sois pas bloqué quelque part. Il manque plus que ça. Faire attention, parce qu'on peut tomber, évidemment. Là, j'ai pas trop peur, en fait, pour ma lampe, franchement. Ça, c'est vraiment cool. Parce que normalement, je l'aurais éteint et tout ça, je l'aurais un peu économisé et tout. Mais là, franchement, ça va, quoi. Bon, on imagine que le mec est tombé. Hein. On imagine que le mec est tombé. Voilà, très bien. Bon, bah c'est bon, on a le code, on peut partir. Ouais, on peut partir. Vous voyez, ça c'est fun ça à faire. C'est pour ça que, voilà, comme j'ai dit. J'ai dans l'espoir que le travois ce soit comme le sac à dos technique, comme les crampons. Enfin, les crampons avant qu'ils rajoutent des crampons qu'on peut crafter n'importe où. Ça aussi, c'était. Honnêtement, c'était vraiment très con d'avoir fait ça. Enfin bref, c'est mon opinion. Parce que ça nous fera une super aventure en fait. Ouais, c'est pour revenir là. Ça nous fera une méga aventure d'explorer. Et trouver le travail. Après, si c'est de la chasse, que bon, c'est lié au puma, bon bah, ça sera comme ça. Ça sera un peu différent, on fera de la chasse à la place, on ira dans une nouvelle zone et on chassera. C'est bien aussi, nous on est équipés, on a le gilet pare-balles et tout ça, donc honnêtement, ça va. Attention. Bon bah c'est bien, on va pouvoir tout ressortir. Non, ouais, ils ont complètement abusé. Allez, on monte. Alors, ce qu'on va faire, vu qu'on a fait ça, on a fini ça. Ce que je vais faire, moi, c'est. Enfin, dans le reste de l'épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir. Et on va rentrer. Pour Blackrock. On va tout simplement rentrer pour Blackrock. On va rentrer à la base du coup, au camp et tout ça. Ça sera notre épisode. Je sais pas si on aura une aurore boréale. Bon là on en a pas, donc du coup on va devoir... De toute façon il va falloir qu'on rentre, ça va prendre du temps. On verra, surtout que je suis en surpoids. Mais enfin je crois... Quoi en fait non, je suis pas trop en surpoids. Je pensais être énormément plus lourd, mais en fait non. Ah non, ça va.
On pourrait même prendre une corde. Je sais qu'on a plein de charbon et tout ça, donc à la limite, on peut jeter tout ça. Ah oui, on avait laissé des choses. Ah merde. Non, 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 ouais, en fait, on va être en surpoids. Allez, on rentre. Qu'est-ce que c'est long. Et après, je vais potentiellement laisser passer quelques jours, genre faire des lapins et tout ça, vous savez, pour réparer nos habits. Parce que j'ai pas trop envie de me balader avec des habits abîmés. Il va falloir attendre une aurore boréale. Donc ça, peut-être que je le prendrai en vidéo si jamais ça arrive. Parce que bon, les aurores boréales, c'est un peu aléatoire. Et après, les épisodes prochains, ce sera sûrement faire le tour... le tour de Blackrock. C'est là-bas. Mince, je me suis trompé de chemin. Parce que maintenant, lui, il est descendu. Mine en transe. Merde. Ah, c'est un labyrinthe pour moi. En fait, faut aller de l'autre côté. Faut aller de là, ouais. Oh là là, arrête de gueuler. On dirait qu'elle se fait attaquer par un loup, quoi. Ils ont vraiment merdé sur ça. Ça me stresse. La manivelle, je crois qu'on va la laisser là. Je me rappelle que je l'avais ramenée, la manivelle. Dans la saison où j'avais découvert cet endroit. Mais là, on va la ramener. Là, je veux bien les ramener. Ça, on prend. Ça fera des bombes. Ça aussi, je peux en prendre. Bah ça va en fait. Non, non, on est très très bon. Par contre, je crois qu'il y a une tempête dehors. Je crois qu'on a une belle tempête dehors. Je crois qu'on va dormir à l'intérieur. De toute façon, on finit la nuit à l'intérieur. Ouais. On va finir la nuit à l'intérieur. On n'est pas extrêmement fatigué, mais il reste pas beaucoup d'heures de nuit. Donc bah, au final, c'est nickel. Au final, c'est parfait. On peut dormir là. Alors, fais voir un peu. Prendre ça. Ça, on en a plein. C'est juste histoire d'être plein, en fait. On a 43, plus 3 kilos du sac. Est-ce qu'on a autre chose à jeter? Pas vraiment. Ah oui, ça, on va peut-être le déposer, ça. Manivelle utilisée pour actionner un ascenseur. Ou alors on le ramène. Alors on peut le ramener à la limite à Blackrock, mais on peut pas le ramener au Lac Mystère, ça sert à rien. Mais bon, ouais, on peut le mettre à Blackrock. Après, il n'y a aucune. Honnêtement, il n'y a aucune raison pourquoi on réutiliserait l'ascenseur, évidemment. Mais bon. Alors, il n'y a aucune raison de reprendre l'ascenseur ou quoi que ce soit.
faudrait bien descendre en dessous du poids. Je crois que c'est mort. 48. Non, mais non, on va se débrouiller avec l'eau et tout ça. Bon, c'est parti. J'espère qu'il fera bon. Là-bas, il y a des lapins et tout ça, mais on en a pas besoin. À la limite, si jamais on a besoin de se réchauffer, on réchauffera d'été. Alors, on va y aller un peu vite. Le chemin est long. Est-ce que ça vaut le coup de prendre des champignons et tout ça? Je sais pas. Je dirais que oui, vu qu'on va jamais revenir là. Looks like a new day is dawning. Je voudrais bien qu'il fasse lumière. Comme ça, on n'a pas besoin d'utiliser une allumette. Parce que je pense qu'on... En fait, je dirais que... Ah, mais j'ai pas de bois. Merde. Pas trop froid, on va dire. Peut-être durer un petit moment. Je dirais que... On va devoir faire du feu, en fait. Ah oui, on peut s'abriter là. Vous avez dessiné cette grotte ou pas? C'est celle-là? Non, non, nous on est là. Mais non, ouais, non, mais j'ai pas de... Non. Ok. On va dormir une petite heure juste pour se réchauffer surtout. Perdre un peu le poids aussi. Je sais pas si mettre tout dans la lampe réduit le poids en fait. Mais je crois pas que les... Ça, je crois pas que ça ait du poids. Ah, quoique 0,30, 0,25. J'en sais rien. 46. Non, notre poids a augmenté. Ah bah oui, non, c'est parce que j'ai pris des baies aussi. Surtout ça. Ok, le temps a l'air de pas trop mal. Ah, mais faut reprendre la corde, je crois, non? Mince. Oh, j'avais oublié ça, faut reprendre la corde. Merde. Y'a quoi en haut? Ah, j'avais zappé ça. Oh, j'avais complètement zappé ça. Ouais, je crois que c'est par là, nous. Faut qu'on descende. Par contre, c'est méga grand, donc je pense pas que je peux le faire autrement. Ok, je vais voir. Ouah, c'est chiant. Ah, on va s'abriter à la grotte après. On doit récupérer des choses en plus. On est à 46-16. On vire l'eau.
Il y a deux cordes. Merde, j'avais oublié. Ça va, ça va. Après, on peut se réchauffer dans la grotte. C'est pas très grave. Et je crois que ça, c'est un blizzard qui arrive. Donc, on va devoir le faire. Ouais. Allez, go. En une fois. Let's go. Encore heureux qu'on ait une grotte pas loin. Ça, ils auraient pu rajouter un système où s'il y a un blizzard, vous pouvez pas prendre de cordes. Mais bon, j'avoue que ça ferait extrêmement chier. Puis extrêmement dangereux, imaginez s'il se passe comme ce qui vient de se passer là. Genre vous tombez. J'espère que le loup n'est pas revenu. Normalement non, parce qu'on n'est pas vraiment resté longtemps dans la grotte, dans la mine. Il y a encore cette carcasse en plus. Ah putain, je veux la... C'est un gros blizzard en plus, hein. C'est super froid. Bon, nickel. Nickel. On est bien. Non, ça, il faudrait le prendre, ça aussi, et le bois aussi. Un truc aussi qui pourrait rajouter, le fait de jeter des objets d'une hauteur. Moi j'aurais bien voulu jeter les bouteilles d'eau en bas par exemple. C'est tout bête hein, mais ça pourrait être vraiment une bonne chose. Un peu comme les cailloux. Genre on peut jeter les cailloux, on peut jeter les bouteilles d'eau, des trucs comme ça. Il y a un lit ici, non. Bon du coup... Bah du coup on a un problème pour l'eau. J'aurais dû ne pas me goinfrer de calories. J'aurais dû attendre un peu. Ça va être un problème. Est-ce qu'on a besoin de faire du feu pour de l'eau? Ou alors on peut se débrouiller avec ce qu'on a? Telle est ma question. Telle est ma question. On va boire celui-là, c'est un vieux. J'attends que ça se calme, hein, qu'on puisse partir. Ok. Ah! Attends. Putain, 13, ça fait un peu beaucoup quand même. Un, deux, trois, quatre.
51, 76, ça fait un peu lourd. Hein, mais... Bon, on a du bon coup de vent, ça va. Faut qu'on se mette à l'abri du vent quand même. Et on va descendre la rivière. Ouais, il faut qu'on se mette à l'abri du vent. Ah, c'est bon, c'est tout bon. Si on se met à l'abri du vent, on risque pas grand chose. On va durer longtemps. C'est juste que le vent nous tape dans le dos et nous on est en ligne droite. C'est un peu de la galère. On peut se permettre de sprinter, on est en pleine forme. On a pris notre sac, hein. Ouais. Prendre les massettes sur la route. Je suis méga loin. Faire attention à ne pas tomber dans l'eau. Hein. Sinon, on va passer un mauvais moment. On va mettre à l'abri du vent. Galère ce vent là. Prendre toutes les massettes. Non. Alors, on est sur le bon chemin. Je me rappelle que on va faire ligne droite. Par contre, je sais pas si c'est une corde qui nous attend après. Bon, après, de toute façon, on sera plus proche de la prison, donc ça va. C'est possible que ça soit pas une corde. Enfin, quoique non, il faut quand même qu'on monte à un moment ou à un autre, donc. Je pense que. On va tomber sur une corde. Monter ou continuer en bas? Corde. Attends, là c'est la corde. Je crois que c'est là où il faut aller. Je crois que c'est la corde. Donc là du coup ça serait quoi, un cul-de-sac? Ah non, vous vous rappelez? À un moment, on avait passé, je crois que c'était le premier épisode où on est arrivé ici. On avait passé, il y avait une sorte de pont là, comme ça. Et je crois en fait qu'on est dans cette crevasse là. Et si on regarde la carte... Genre on était passé par là. Je crois qu'on est dans la crevasse en fait. Donc... Bah en fait, non, ouais, non, mais la prison elle doit être proche. Ouais, je pense qu'il faut prendre la corde. Si je prends pas la corde, on retourne pas à la prison et on va faire que descendre en fait. Ouais. Ok, non, ça va être la corde. Je sais pas comment on va la prendre. Hein, parce que là, s'il faut tout prendre avec nous, je fais comment, moi?
Comment je vais faire pour prendre la corde? Je crois qu'on va se protéger du vent et dormir une heure. On peut se protéger là. Ah tiens, on peut se mettre là. Ah, c'est pas mal là. Dormir une heure. On a rien pour faire du feu. Évidemment, encore une fois, super temps. Pas très très grande la corde. Mets-moi à l'abri du vent. Pas de panique. Too cold. Think. Let's go. Le vent s'est calmé. Ok, nickel, il faut ça. On est à 51. Il nous faut quelques kilos en moins. On devrait y arriver. Les torches. Tout à 100%, ça me fait maintenant super chier. Le torche, c'est pas le plus important. Il nous faut encore 1 kilo et quelques. Ok. Reste cool. On a des livres. Chose qui est pas vraiment intéressant, genre la poudre à canon, c'est vraiment, j'avoue que c'est pas vraiment intéressant. Ça fait pas mal. Et la viande, ça, on peut pas le garder. Ça me fait un peu chier de laisser le pied de biche, honnêtement. Je préférerais laisser autre chose. Mais j'ai vraiment envie de garder plein de choses, en fait. Je suis d'accord. Hein. Je garde des choses qu'on utilisera potentiellement jamais. J'avoue. Je suis en train de perdre ma vie, moi, à faire ça. Allez, go, on monte. Parce que le fardeau allégé, il va pas durer 100 ans non plus. Je suis d'accord que là je suis en train de prendre des choses, genre par exemple les livres et tout ça, je suis d'accord que ça sert à rien théoriquement. Mais j'aimerais bien tous les lire en fait, un jour ou l'autre. Donc je voudrais voilà, les récupérer, les garder. Il y a une autre chose aussi qu'on peut faire, mais en fait ça serait ne pas utiliser les crampons du coup. Il y a quoi ? Ça serait genre porter le gilet pare-balles parce que du coup il serait moins lourd.
Où est-ce qu'on va? Oh, une grotte, très bien. Genre porter le gilet pare-balles sur nous, il serait moins lourd, mais du coup après j'ai pas les crampons. Donc ne pas avoir les crampons, ça c'est un problème. Je crois pas que ce soit le chemin. Parce que là, je crois pas qu'on aille vers la... vers la prison. Et aussi pourquoi je veux absolument garder les objets, parce que si je me rappelle bien, on peut pas revenir en arrière. Je crois pas que ça soit là. Moi je crois que la prison est de ce côté. Voilà. Si je me rappelle bien, c'est un seul chemin. Genre on retombe sur la prison, mais on peut pas repasser par cet endroit là. Il n'y a pas de corde, il n'y a pas de caillou, il n'y a rien en fait. On peut pas monter. Ok, on voit des lignes. Yeah, c'est la prison, c'est bon. C'est ce que je pense. Ouais, donc on est de retour sur la prison. Vous voyez, donc là on peut passer. Parce que du coup, ce que je laisse là-bas, en théorie, pour aller récupérer, il faut remonter tout en haut de la région. Redescendre dans le gouffre. Et remonter encore le gouffre. Et après on y est. Et après, voilà quoi. Donc refaire tout le chemin qu'on a fait. Enfin une grande partie du chemin. Ah parce que là je peux pas remonter. Enfin là je peux... Enfin je peux même pas remonter comme ça si. Okay, je peux remonter mais ça je peux pas le monter. Ouais ça je peux pas le monter. Je crois pas du tout. Bon j'ai pas vraiment envie d'essayer mais voilà c'est la merde. Je l'essaierai peut-être de mon côté. Si on peut ou pas. Là, maintenant on est de retour là. On va re-rentrer. Mais vous voyez, c'est ce passage-là. Voilà, donc je m'en rappelais encore, ça va. Mais ouais, je suis quasiment positif qu'on peut pas monter. Hein. Quasiment positif. À moins de vraiment de gruger, genre vous savez comme on fait souvent, mais bon. Là, je crois que c'est trop. Genre essayer de grimper un peu les parois, mais ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait beaucoup. Est-ce qu'on peut monter, là ? Faut que je fasse tout le tour. Oh putain. Amélioration d'état. Ça a contré un peu la vie qu'on a perdue. J'ai bu ces deux là parce que... Surtout parce qu'on avait vu qu'on pouvait les renouveler en fait plus ou moins facilement comparé au reste. Avec les écorces qui tombent. Bon, bah, très bonne chose. On a. Le seul truc qui m'embête, c'est le pied de biche qu'on a laissé et le sac de couchage. Je crois que c'est les deux trucs qui m'agacent. Mais bon, au moins c'est fait. Bon, maintenant il nous faudrait une aurore boréale. Et on serait parfait. Juste une aurore boréale. C'est dusk, so night can't be far behind. Faire attention si le loup est revenu. J'entends rien pour le moment. Damn, I'm freezing. Il faut attendre qu'il y ait une aurore boréale. J'aime pas trop ce bruit quand ça se referme. On va rentrer là, comme ça on se réchauffe. Bon bah c'était une belle aventure. On a bien géré, je suis content. Je suis content. Bah vous voyez que le petit pain là, ça nous a aidé. Hein. Ça nous a bien aidé hein, ce petit pain. Vraiment cool. Bon, bah, très bien. Très très bien. Je peux le réparer ou il fait trop nuit? Ah, il fait un peu trop nuit.
Juste pour pas qu'il s'abîme, quoi. Il est à 100% du coup. Ah, parce que ça, on peut le mettre, mais... Ça nous fait voir le... Poids... Bah, le poids, ouais, non, ça serait 0,75, c'est 2 kilos. Mais bon, on perd 3% de défense. Bon, ça, à la limite, ouais. Mais l'étanchéité, mais la protection contre le vent. La protection contre le vent, elle est quand même vachement utile. Se permettre de faire ça. Non, on peut pas se permettre. Bon, mais on est sorti d'affaire. Ça va. Ça va, ça va. Donc, on va pouvoir... Moi, je vais quand même laisser passer des jours. On va peut-être pas s'arrêter maintenant, parce que sinon, l'épisode est un peu court. Je vais être franc, je voudrais bien une aurore boréale. Je vais un peu déposer tout ce qu'on a là et je vais peut-être laisser passer quelques jours ou quelques nuits parce que j'ai honnêtement beaucoup de nourriture et tout donc il n'y a pas vraiment de problème de ce côté-là. Pas ça. Après, je rangerai. Je rangerai quand j'aurai le temps. Très bien. J'essaie de pas tout mettre l'un sur l'autre non plus quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai ça. Il faut qu'on le mette de côté. Faut que j'aille. Moi, il faut que je fasse deux tisanes là de boulot en plus. Il faut que j'aille. Récupérer les lapins et des cerfs en fait. Mais ça je le ferai hors épisode parce que sinon encore une fois. Et oui, il faut qu'on aille récupérer le bois qui sèche aussi. Ouais, je crois que je ferai tout pour le prochain épisode. Comme ça, nous, ce qu'on fera, on va se concentrer sur faire le tour en fait de la zone. Je crois qu'on va faire ça, ok? Je pense que c'est bien. Parce que sinon, on va passer trop de temps à farmer et à se remettre d'aplomb en fait. Et honnêtement, c'est chiant de faire ça en épisode maintenant. Je trouve ça extrêmement frustrant. Ok, ça c'est tout sec. Ça aussi, on peut réparer un truc en serre. J'ai des boyaux qui commencent à être secs. Normalement, on n'a pas des. On a du lapin. Il y a le lapin juste là. Ouais, il nous faudra encore un peu plus de lapin et tout. Normalement, on a tout, hein. On a plus ou moins tout qui traîne un peu partout. C'est un peu le problème. On a des objets là, au mobilhome. On a des trucs là aussi à la retraite. Ah, quoique là, j'ai peut-être pas laissé grand-chose. Mais c'est surtout au mobilhome. Après, honnêtement, c'est pas très loin. Donc ouais, c'est pour ça qu'on va pas le faire en épisode. Parce que c'est con. Ah oui, il faut que je jette le... Ça. Quand on aura ouvert ici, je débarrasserai tout et je mettrai tout en intérieur. Bon, vous savez quoi? Je vais couper, je vais voir si on a une aurore boréale d'ici ce soir ou après. Donc ouais, je reviens. On est bon, on est bon, on est bon. J'ai laissé passer un peu de temps et tout ça. Il y a lui aussi qui vient de revenir, je viens juste de le tuer, le loup. Je sais pas comment il arrive en fait là. En gros, je faisais demi-tour, je suis sorti un peu, je suis rentré, il était là. Ok, on est bon, on est bon, on est bon. C'est bon, Jesus, it's cold. On est dedans. C'est bon. Il fait chaud? Ouais, ça va. Parfait. Donc, attendez. Donc ça, établi à munitions, ok. Donc on peut faire ça maintenant, les pétaradeurs. Crois que c'était pas dans la liste avant. Maintenant c'est dans la liste? Parce que là je le vois quand je suis sur la machine, mais... Ouais. Je suis sûr que ça il faut le débloquer. J'ai pas trop fait attention avant, mais je suis sûr qu'il faut le débloquer. Donc on a ça. Ça c'est de la fraiseuse, donc ça c'est pour réparer.
Donc il faut juste du métal et on peut réparer les outils, ça c'est vraiment cool. C'est bête qu'on puisse pas réparer les pieds de biche, je sais pas. Voilà, presque ça vaut le coup de les réparer là. Voilà, peut-être le couteau là, mais il faut du métal à chaque fois. Ah oui, on avait ça là. On avait les tiroirs, je me rappelle. Je les ai découverts super tard les tiroirs. Établi à munitions, établi à munitions, forge à munitions. Je sais, j'ai jamais fait en fait, je sais pas trop comment ça marche. Bon, genre faut récupérer le plomb. Un morceau de plomb c'était 6 balles. Donc faut mettre du feu et tout, et après on fait établi à munitions. J'en sais rien comment ça marche, faudrait que je teste un jour. On n'a pas grand chose à l'intérieur, honnêtement. Il n'y a pas les deux objets là. Ouais. Ouais, pas grand chose en fait. Après, c'est un. Une fois qu'on l'a ouvert une fois pendant l'aurore boréale, c'est... ça y est, hein. On peut camper ici. Hein. Le seul problème, c'est que les portes se ferment automatiquement. Honnêtement, ça, je trouve ça ultra relou. Je vais voir un peu comment ça marche. Réparer. Ouais. Ça c'est pas mal la fraiseuse, j'avoue que c'est, ça aide. Surtout si on n'a pas de pierre à aiguiser. Au final, c'est, la fraiseuse c'est le seul moyen qui restera pour réparer les outils. Ou alors il faut en faire d'autres. C'est ou en faire d'autres ou les réparer par la fraiseuse, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah putain, je crois qu'il y a des loups là, non ? Va falloir que je fasse un peu le tri de toute façon. Bon bah du coup on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Bah on a ouvert l'endroit. Donc on peut se reposer, ça sera notre camp principal. Genre tout est à l'abri là. Parce qu'on a vu que je crois que le... comment ça s'appelle ? Le... J'ai tout laissé, hein, j'ai pas changé encore. J'attendais que ça s'ouvre. Ça, en fait, le gilet pare-balles, il devient humide. Ça aussi. Tous les vêtements, en fait, deviennent humides s'il y a de... il y a une tempête, s'il y a du blizzard. Parce que là, c'est pas protégé, en fait, à l'intérieur. C'est protégé du vent, mais c'est tout. Alors que là, c'est considéré en intérieur, donc là, on risque rien. Enfin, là, les vêtements risquent rien, donc ils vont pas s'abîmer. Enfin, moins s'abîmer, on va dire. Donc ouais. Hop. Et ça on a qu'à mettre là. Donc ouais. En tout cas ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine. Donc comme j'ai dit, je vais sûrement laisser passer quelques jours, quelques nuits, tout ça. Il faut qu'on répare tous nos vêtements parce qu'il y en a qui sont un peu abîmés. Genre je voudrais bien repasser à 100% pour les trucs au lapin, en serre et tout ça. Et après on continuera notre exploration. Ouais, on fera le reste de la zone. Parce qu'on a toujours une antenne à rétablir. Hein. On l'a toujours pas trouvé. Maintenant, je me demande si c'est vraiment là. Mais on a toujours une antenne à faire. Donc, on fera ça petit à petit. Et si jamais il y a une autre mise à jour qui sort entre temps, on partira évidemment. Mais bon, voilà. Maintenant, honnêtement, on est tranquille. On peut se la couler un peu douce. Parce qu'on a, le plus important. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao!